Bonsoir à tous et bienvenue, très heureuse de vous retrouver. C'est l'heure de votre journal sur KMT, LCL, FM+, et OM5TV sur les réseaux Free, Orange, Numéricable et Bouygues en France. Voici quelques-uns des sujets que nous allons aborder ce soir. François Hollande a annoncé jeudi 1er décembre en direct de l'Élysée qu'il ne sera pas candidat à l'élection présidentielle en 2017. La Chambre régionale des comptes a vivement pointé du doigt le système informatique du CHUM qu'il qualifie de totalement obsolète. Le marché couvert des Trois-Îlets a accueilli pour sa 4e année consécutive le village des créateurs. Du 26 au 28 novembre dernier, le Salon Poule Art Fair a accueilli une quarantaine d'artistes martiniquais et internationaux dans les quelques 30 stands aménagés pour l'occasion dans les espaces historiques de l'habitation Font Rousseau à Schœlcher. Les 25, 26 et 27 novembre, l'Association des marins pêcheurs de Casse-Pilote avait convié la population à une importante manifestation culturelle et culinaire. Et pour commencer ce journal, bien que cette nouvelle était pressentie, la décision de François Hollande de ne pas se représenter à un second mandat reste un cas unique dans la Ve République. Décision annoncée par le chef de l'État lui-même, qui restera dans la mémoire collective comme l'un des présidents les plus impopulaires de l'histoire de France. Et puis depuis 18 heures, une conférence présentée par le journaliste politique et éditorialiste Nicolas Bitou se déroule à l'IMS du Lamentin. Il est question des grands enjeux du prochain quinquennat, un débat au cœur de l'actualité donc. Et puis la semaine dernière, le 22 novembre très exactement, des stagiaires de l'AFPA, l'Association pour la formation professionnelle des adultes, minés par l'angoisse, ont investi de manière impromptue les locaux de la CTM, la collectivité territoriale de Martinique. En effet, vous vous en souvenez sans doute, le tribunal de commerce a finalement décidé de prononcer la liquidation judiciaire de la structure qui avait d'abord été placée en redressement judiciaire pour une dette s'élevant à plus de 10 millions d'euros. Les quelques 300 stagiaires de l'AFPA concernés sont bien évidemment très inquiets quant à la poursuite de leur formation et ils étaient donc venus à la CTM pour tenter d'obtenir des réponses à leurs interrogations. C'est Daniel Marie-Sainte, conseiller exécutif chargé de la formation professionnelle, qui les a longuement reçus, très sensible, a-t-il déclaré, aux inquiétudes formulées par la cinquantaine de stagiaires venus ce jour-là, les autres étant pour la plupart en période d'examen. Il s'est montré rassurant, affirmant qu'une solution de transition avait d'ores et déjà été trouvée par la CTM. Mis en place avant l'arrivée de la nouvelle équipe et donc avant la collectivité unique, l'IMFPA, l'Institut martiniquais de formation professionnelle pour adultes, prendra ainsi le relais après la fermeture de l'AFPA et permettra normalement aux stagiaires de poursuivre leur formation en toute sérénité. Ils pourront aussi obtenir par le biais de cet organisme la certification dont ils ont besoin à l'issue de leur formation. Monsieur Marie-Sainte a beaucoup insisté sur la volonté de la CTM de maintenir une continuité sans faille dans cette affaire, de telle sorte qu'aucun stagiaire ne soit lésé. L'IMFPA bénéficie aujourd'hui d'un nouveau conseil d'administration et depuis le 4 octobre dernier, un budget spécifique lui a été alloué pour assurer la formation des stagiaires de l'AFPA en attendant le vote du budget 2017 prévu le 15 décembre prochain. Une fois que ce budget aura été adopté, la CTM signera un contrat de service public avec l'IMFPA dont la mission se substituera à celle de l'AFPA. Selon Daniel Marie-Sainte, il n'y a aucune inquiétude à avoir pour les stagiaires qui sont pour l'instant repartis rassurés après cette rencontre avec le conseiller exécutif. Affaire à suivre donc avec attention. Et justement, les stagiaires et salariés de l'AFPA ont reçu une lettre de fin d'activité au 1er décembre. En colère, ils ont décidé de se rendre à la CTM hier jeudi pour avoir des explications.
La Chambre régionale des comptes a vivement pointé du doigt le système informatique du CHUM, qu'elle qualifie de totalement obsolète. Et les conséquences sont graves, puisqu'on recense d'importants problèmes de communication, des pertes de données entre les services et même plusieurs erreurs médicales. Sur le plan économique, l'établissement, qui connaît déjà des difficultés notoires de gestion, aurait perdu près de 30 millions d'euros suite à ces dysfonctionnements. D'après la Chambre régionale des comptes, le budget consacré au système informatique du CHUM, qui s'élève actuellement à 1,5 million d'euros, devrait être porté à 10 millions pour pouvoir rattraper le retard pris dans ce domaine. En attendant de mener de nouvelles actions, les sapeurs-pompiers en colère se tiennent toujours devant le siège du SDIS à Fort-de-France. Malgré les multiples rencontres, la CGTM déplore le manque d'avancées significatives et continue de dénoncer le manque flagrant de moyens matériels et financiers. D'après le syndicat, faute de financement, le plan de prévention des risques voté en 2013 par le Conseil départemental n'a pas encore été mis en place. Pire, on veut s'éteindre en essayant de l'atteindre. Mais ça commence maintenant, le départ a déjà été donné. Et cela depuis longtemps, plus question d'abandonner. Lentement, doucement, mais sûrement. Vendredi dernier, le 25 novembre, le CSI de la Martinique, le comité de suivi interfonds pour les programmes européens, s'est réuni à la CTM. Cette réunion est organisée au moins une fois par an, en présence notamment des élus de la collectivité territoriale, du préfet de région, des représentants du FEDER, Fonds européen de développement économique et régional, et du FSE, Fonds social européen. Lors de ces séances, le comité étudie la bonne mise en place des projets financés par l'Union européenne et s'assure que les fonds sont utilisés de la manière la plus pertinente. Ce jour-là, ce sont les actions accomplies et les projections sur la période 2014-2020 qui étaient à l'étude. Il a notamment été question des aides aux entreprises et à l'emploi et des démarches administratives. Notons qu'à cette occasion, Alfred Marie-Jeanne, le président du conseil exécutif de la CTM, a, une fois encore, interpellé les représentants européens pour dénoncer l'inadaptabilité de certaines contraintes européennes à nos spécificités locales. Il a notamment cité l'exemple de la pêche, où les mêmes limites sont imposées dans une Europe en situation de surpêche que dans nos territoires ultramarins, qui doit faire face à une réalité bien différente et où le secteur doit être modernisé. Parlons maintenant de cette conférence. Ce soir, la Maison de la Culture de Trinité accueille une conférence dédiée à l'adolescence. L'événement est animé par le professeur de psychiatrie, Daniel Marcelli, qui considère que les principales problématiques sont liées à la soif inassouvie de reconnaissance que nos jeunes expriment dans cette période charnière entre l'enfance et l'âge adulte. Et puis tout comme Fort-de-France, depuis le mois d'octobre, la commune du Marin est, elle aussi, désormais dotée d'un guichet unique d'information pour les chefs d'entreprise. Ce devrait être également le cas prochainement à Saint-Pierre et à Trinité. Mercredi 30 novembre, l'ADI Martinique, l'Association pour le droit à l'initiative économique et la communauté d'agglomération de l'espace sud organise le village des créateurs ainsi qu'une matinée d'informations sur la création d'entreprises. C'est le marché couvert des Trois Îlets qui a accueilli cet événement qui se déroule pour la quatrième année consécutive. De nombreux créateurs d'entreprises soutenus par l'ADI étaient présents, mais aussi d'autres partenaires tels que Pôle emploi, le régime social des indépendants ou encore la mission locale. Tout au long de la matinée, le marché était donc animé par les démonstrations des activités très variées des entrepreneurs, ébénistes, apiculteurs, couturiers, spécialistes des mèches et produits capillaires, traiteurs ou encore esthéticiennes. C'est avec enthousiasme que ces créateurs d'entreprises ont témoigné et partagé leurs expériences. Au cours de cette matinée, l'atelier « Bien démarrer son activité » proposé par l'ADI était aussi l'occasion d'obtenir des informations et des conseils personnalisés.
Jérôme Trinel, directeur régional de l'ADI, rappelle les objectifs de ce village. Valoriser les entrepreneurs de l'espace sud, mais aussi permettre aux demandeurs d'emploi qui souhaitent se lancer dans la création d'entreprises de pouvoir le faire dans les meilleures conditions. L'EFS, l'établissement français du sang, organise à Madjana la 6e édition du don du sang gastronome. Le principe est simple. Au lieu du traditionnel sandwich, à l'issue de votre don sanguin, c'est un véritable menu préparé par un traiteur avec entrée, plat et dessert qui vous sera servi. Alors le but étant, vous le savez, vous l'avez saisi, d'attirer davantage de donneurs compte tenu du fait que notre banque de sang est en situation très déficitaire. En visite à Saint-Vincent, après avoir découvert la production de Vitroplan à Orange Hill, la délégation de l'APER, l'Association pour la promotion de l'économie rurale, s'est rendue à Rabaka Livestock Station, un centre d'élevage qui pratique l'insémination artificielle. C'est Esther Ryan, agricultrice dans ce centre, qui nous a accueillis. Ce jour-là, seule la porcherie était ouverte aux visites. Elle y abrite 61 porcs de 3 races différentes, le Duroc, le Large Weight et le Landrace. Ils sont vendus aux éleveurs locaux à partir de 40 jours après leur naissance, mais avant, le centre prend en charge les soins et l'entretien du bétail pour en assurer la bonne santé et la qualité. À Rabaka, on trouve aussi 56 moutons et brebis et 91 chèvres, dont certaines races proviennent de la Jamaïque. Enfin, le centre collecte également de la semence et pratique l'insémination artificielle. D'ailleurs, notons qu'en 2015, le ministère de l'Agriculture Saint-Vincenté a initié un vaste programme d'insémination dans le but de développer l'élevage local. Il s'agit de permettre aux agriculteurs d'avoir davantage de contrôle sur le processus de reproduction, et cela à moindre coût. Ainsi, dans ce domaine, une coopération existe entre Saint-Vincent et les Grenadines, la Jamaïque et Cuba. En juin 2015, Saint-Vincent et les Grenadines recevaient 100 paillettes de semences de bétail de la Jamaïque, et en avril de cette année, le premier veau est né de l'une des 30 premières vaches inséminées. Le gouvernement taïwanais soutient lui aussi Saint-Vincent et les Grenadines dans cette démarche, notamment en ce qui concerne la filière caprin ovin, avec pour objectif, entre autres, de réduire les importations de moutons et d'agneaux. En tout cas, ce jour-là, au centre de Rabaka, nous avons rencontré une agricultrice soucieuse de nous montrer son environnement de travail et le laboratoire d'insémination qui l'enthousiasme particulièrement. Le temps ayant manqué, la délégation ne s'est arrêtée que brièvement à l'usine d'Arrowroot à Owaya, un peu plus au nord encore de l'île. Il s'agit de la dernière usine des vins de ce type, autrefois en service à Saint-Vincent et les Grenadines. L'Arrowroot est un tubercule que consommaient les populations caraïbes bien avant l'arrivée des Européens au 19e siècle. On en consomme en réalité le rhizome utilisé pour épaissir les soupes, les sauces ou encore comme céréales. On s'en sert également dans la réalisation de biscuits ou de pain et même dans l'industrie pharmaceutique. Autrefois, la plante était aussi utilisée pour soigner la diarrhée, les nausées et les vomissements. Et puis, la semaine dernière, Didier Laguerre, le maire de la ville de Fort-de-France, visitait des entreprises foyalaises, une démarche qui témoigne de la volonté de la municipalité de renforcer les liens avec les acteurs économiques locaux. Depuis le début de l'année 2016, le maire a ainsi rencontré une trentaine de chefs d'entreprise sur l'ensemble du territoire. Pour Didier Laguerre, ces rencontres permettent d'être confrontés à la réalité du terrain, d'échanger avec les acteurs économiques et d'analyser leurs éventuelles difficultés afin de mieux appréhender le vivier d'entreprise. Notons qu'une attention particulière est portée au commerce nouvellement installé dans la ville capitale. Vendredi 25 novembre 2016, le maire de Fort-de-France s'est donc rendu à Sirotage Co, pharmacie moderne et éclat de mie, des entreprises situées sur le port de plaisance de l'étang Abricot.
Comme prévu, il a rencontré et longuement échangé avec les chefs d'entreprise. Demain, samedi 3 décembre, l'école primaire de Font-Marie-Reine au Morne-Rouge sera rebaptisée Alain Plénel en l'honneur de cet ancien vice-recteur de notre académie, aujourd'hui décédé. Alain Plénel s'était distingué par le soutien qu'il avait apporté au mouvement social de décembre 1959, au cours duquel trois jeunes Martiniquais avaient perdu la vie. Un engagement qui lui avait valu d'être rétrogradé et muté en Algérie. Notons qu'Alain Plénel était le père d'Edwy Plénel, créateur de Mediapart. L'espace de trois jours, du 26 au 28 novembre dernier, l'habitation Font-Rousseau à Schœlcher a réouvert ses portes pour accueillir la quatrième édition du salon Pool Art Fair. La Pool Art Fair, c'est le rendez-vous de l'art contemporain. Une quarantaine d'artistes martiniquais et internationaux étaient exposés dans les quelques 30 stands aménagés pour l'occasion dans les espaces historiques de l'habitation. Toute la palette des possibilités d'expression artistique était représentée. Peinture, photos, sculptures, vidéos, installations et performances. De quoi stimuler les échanges artistiques et humains. Cette année, Clarina Bezzola était l'artiste invitée. Elle est suisse et vit à New York. Elle travaille la sculpture, le dessin, les installations, avec au cœur de ses recherches le corps. Notons que la Pool Art Fair est un projet de frères indépendants qui œuvre à New York, à Miami, en Guadeloupe et en Martinique. Aux Antilles, l'association a pour mission de stimuler et d'accompagner la structuration du marché de l'art contemporain par le biais d'outils culturels, tandis qu'aux États-Unis, où le marché est déjà bien structuré, Frères indépendants cherchent à augmenter la visibilité des artistes contemporains. Le célèbre sculpteur sénégalais Ousmane Sow est décédé le jeudi 1er décembre au matin à Dakar, au Sénégal, à l'âge de 81 ans. Il était venu en Martinique en novembre 2013 à l'occasion de la Biennale internationale d'art contemporain dont il a été le parrain. Toute l'actualité des régions d'outre-mer et des ultramarins de l'Hexagone sur outremernews.fr.